Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Inch'Allah, pour cet épisode aussi, nous allons traiter plusieurs questions relatives à la salat. Nous accueillons Murabbi Nour Saheb et Murabbi Shamim Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nous débutons cet épisode avec une question concernant l'imamat. Et la question est comme suit: si à la maison il y a que le mari et la femme et que pour une raison quelconque le mari ne peut diriger la prière, est-ce que la femme peut être imam dans ce cas précis? A'udhu billahi minash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. D'abord, la charia n'a pas rendu la salat en congrégation, la salat ba'jamat, obligatoire pour les femmes. Et si une femme a la possibilité de rejoindre la congrégation pour offrir la salat ba'jamat avec la congrégation, elle recevra définitivement des bénédictions. Mais la charia aussi nous dit que si elle ne peut pas rejoindre la congrégation pour offrir la salat ba'jamat, il n'y a pas de péché sur elle. Ça, c'est la première des choses. Il est aussi rapporté que au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une dame qui avait rassemblé d'autres femmes dans sa localité et elle a dirigé la prière pour ces dames. Donc, à l'époque du saint prophète, il y avait cet incident, mais il n'y a pas de tel incident où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à la mosquée et une dame était en train de diriger la prière. Ou dans les ahadiths ou même dans les livres d'histoire de l'islam, il n'y a pas de tel incident qui a été mentionné où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était souffrant, où il n'a pas pu sortir de sa maison pour diriger la prière. Et il y a une parmi les azwajim mutahharat, c'est-à-dire les épouses bénies du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi elles il y avait aussi Hazrat Aïcha, et de telles épouses, personne parmi ces épouses ont dirigé la prière. Il n'y a pas de tel incident. De la même manière, parmi les compagnons, les sahaba, ceux qui avaient compris l'islam, les enseignements coraniques, la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vu et vécu la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier, parmi leur exemple, il n'y a pas un tel cas ou un tel incident où eux, ils étaient malades, où quelqu'un à cette époque était malade et qu'il n'était pas il ne pouvait pas diriger la prière. Et il y avait, par exemple, une dame qui a dirigé la prière. Il n'y a pas de tel incident qui a été mentionné ni dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la vie de ses compagnons, ni dans la vie des khulafa rachidin et même des sahaba qui ont vécu après cette époque. Donc, si ce type de choses n'est pas présent dans ces sources, et il n'y a pas même lieu dans la charia pour ce type de imamat. Jazakallah. Donc, dans ce cas précis où le mari et la femme sont dans la maison, l'épouse ne peut pas diriger la prière. Nous avons deux questions concernant la prière sunna. Shamim Saheb, supposons qu'une personne se rend à la mosquée pour la prière de Zuhur sans plus avoir prié la prière sunna, et elle arrive à la mosquée et la prière en congrégation a déjà commencé. La personne concernée, quand doit-elle alors compléter la sunnah? Bismillahirrahmanirrahim. Les sunnahs que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir avec régularité, c'est-à-dire ses prières nawafil, mais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avaient l'habitude d'offrir régulièrement sont connus comme les sunnah muakkada. Et en ce qui concerne la salat de Zuhr, c'était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'offrir 4 rakat de sunnah avant la salat de Fars, la salat en congrégation. Et ensuite, après, il avait l'habitude d'offrir 2 rakat. Et c'était ça le sunnah muakkada du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même les compagnons avaient l'habitude d'offrir ces prières. Et nous aussi, on doit suivre cette pratique du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si quelqu'un est en retard et il arrive à la mosquée et la prière en congrégation a déjà débuté, cette personne ne doit pas offrir les sunnah, mais il doit se joindre à la prière Bajamaat, la prière Fars, qui est obligatoire. Et par la suite, il peut remplacer les sunnah qu'il a manqué. Il peut offrir les 2 rakat qu'on offre d'ordinairement après la salat, avant d'offrir les 4 rakat qu'il a manqué avant le début de la salat en congrégation, ou il peut même inverser l'ordre. Il n'y a pas d'interdiction à ce sujet dans les hadiths, ou il n'y a pas d'instruction claire dans les hadiths qu'on doit nécessairement offrir les sunnah dans un ordre spécifique. Donc la personne peut, après la salatul faraz, offrir les 2 rakat, ensuite les 4 rakat de sunnah, ou elle peut même inverser l'ordre. Mais néanmoins, c'était dans la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunnah réelle était d'offrir 4 rakat avant la salatul faraz et 2 rakat après. Donc si on veut réellement suivre la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit faire tous les efforts possibles pour arriver à la mosquée à temps, à l'heure, afin d'offrir les 4 rakat avant la prière en congrégation. Jazakallah. Toujours à propos de la prière sunnah, on constate que certaines jeunes par paresse ne font pas les sunnah à l'heure de la prière et se contentent de lire seulement les rakat obligatoires ou faraz parce qu'ils pensent que uniquement les prières faraz qui sont nécessaires. Nos sahib, que doit-on répondre? La salat nous a été enseignée par Allah Ta'ala à travers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué, qui nous a démontré comment il faut offrir la prière. Donc, par respect tout d'abord à cet commandement, on doit suivre celui qui nous a enseigné comment le faire. Et d'ailleurs, dans le Saint-Coran, Allah Ta'ala a clairement dit « In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah ». Si vraiment vous cherchez le chemin du salut, il faut suivre le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est lui qui nous a même enseigné qu'il y a des salats qui sont faraz, il y a des rakat ou des salats qui sont nawafil, ou d'après les sunnahs du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vient de mentionner Shamim Saab, il y a des sunnah muakkada que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a lui-même exhorté qu'il faut faire ces rakat. Donc, par obéissance au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit observer ces rakat qui sont sunnah ou nawafil. Par exemple, avant la salat de Fajr, les 2 rakat de Fajr, il y a 2 rakat sunnah, qui était la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, comme mentionné pour la salat de Zuhr, les 4 rakat et les 2 rakat après. Ensuite, après la salat de, les 3 rakat pour la salat de Maghrib, il y a 2 rakat qui sont sunnah. Et de même, il y a 2 après les 4 faraz de Isha. Donc, il y a, à différents moments de la journée, il y a, dans la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, des différents sunnahs qu'on doit nécessairement offrir pour embellir d'abord notre salat, mais plus principalement pour obéissance au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas suivre la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas nous emmener vers le chemin du salut. Et aussi l'avantage, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que s'il y a des manquements dans la salatul faraz, par exemple manque de concentration, il y a des manquements dans la salatul faraz, Allah Ta'ala va voir les salats nawafil qu'on a offert afin de combler
ses manquements. Donc, c'est bien d'offrir ses salats aussi. Jazakallah. Autant suivre l'exemple parfait du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shamim Saheb, si par crainte de rater la prière en congrégation, une personne s'empresse de se joindre à la congrégation en faisant le tayammum en guise d'ablution, est-ce que c'est acceptable? Le Saint-Coran est très clair à ce sujet. Il nous dit, si vous ne trouvez pas de l'eau, c'est à ce moment-là que vous devrez faire le tayammum. Soit l'eau n'est pas présente, il y a un manque d'eau, ou la personne en question est souffrant, il ne peut pas s'en servir de l'eau pour faire l'ablution. Dans ces deux cas, la personne a la permission de faire le tayammum, c'est-à-dire de faire l'ablution sans l'eau. Donc, on ne peut pas dire que si quelqu'un est pressé et est arrivé en retard à la mosquée, il a la permission de faire le tayammum. Le tayammum, si seulement l'eau n'est pas disponible ou la personne en question est souffrant, c'est dans ces deux cas-là que la personne peut faire le tayammum. Le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a clairement dit que al-wudu miftahu salat, que miftahu salat al-wudu, que la clé de la salat, c'est le wudu. Et à plusieurs reprises, il a mis l'accent sur l'importance de l'ablution. Même au risque de manquer un ou deux rakat, ou bien même de manquer la salat en congrégation, entièrement, mais la personne doit faire le wuzu, doit faire l'ablution dans une façon appropriée. Il y a un hadith où les compagnons disent que nous étions en train de nous empresser pendant l'ablution. Et le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a vus et il leur a dit qu'il faut sauver vos talons du feu de l'enfer. Quand les compagnons ne se rinçaient pas les talons d'une façon appropriée, les pieds d'une façon appropriée. Donc, même si la salat est sur le point de commencer, ou la salat a déjà débuté, on doit offrir l'ablution et on doit le faire d'une façon appropriée. Et ensuite, par la suite, si on a laissé, on a manqué des rakats, on peut les remplacer après. Et si on donne cette permission, que si quelqu'un est en retard, il peut faire le tayammum, on va voir que graduellement, la majorité des gens vont venir à l'heure de la salat et faire le tayammum dans la mosquée et ils vont commencer la prière. Cela va être à l'encontre des enseignements du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah Shamim Saheb. Une autre question, dans le cas où une personne se joint à la prière en congrégation au moment où l'imam se redresse du ruku, est-ce que la raka est considérée comme acceptée ou la personne doit-elle compléter cette raka? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà répondu à cela, que celui qui se joint à la salat pendant le ruku, c'est-à-dire pendant que l'imam est dans la position de ruku, cette personne a reçu le rakat en complet. Donc il n'a pas été mentionné si les tasbihat sont inclus ou pas, mais le ruku a été mentionné. Cela signifie que si cette personne est entrée dans la salat alors que l'imam est dans la position du ruku, donc clairement il a gagné 7 rakat. Le Messie premier, alayhi salam, a aussi mentionné quelque chose à propos de cela. Il a dit que il y a le hadith où le Saint-Prophète, sallallahu alayhi salam, a mentionné que la salat illa bi fatihati al-kitab. C'est-à-dire que il n'y a pas de salat sans le surah Fatiha. Donc si quelqu'un, et là il a expliqué que si quelqu'un a intentionnellement manqué la surah Fatiha pour se joindre à la salat, donc s'il délibérément, il est en train de perdre du temps avant de se joindre à la salat en congrégation. Donc, cette rakat va être invalidée. Mais si quelqu'un est arrivé dans la salat pendant le ruku, il avait l'intention, il a fait les efforts nécessaires pour rencontrer la congrégation. Donc, cette rakat va être valide et la rakat va être complète. Jazakallah. Une autre question qui toujours concerne la ruku. Est-ce que c'est normal de s'empresser pour faire le ruku quand certaines personnes courent pour pouvoir compléter le ruku?
En effet, il court pour pouvoir avoir la rakat que nous savons bien expliquer, que si vous vous joignez à la congrégation alors que l'imam est dans la position du ruku, donc le rakat sera compté comme un rakat qui n'a pas été manqué. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit très clairement à ce sujet, idha uqimatis salat, quand la salat a débuté, fala taqtuha wa antum tas'am. Il ne faut pas venir à la salat en courant. Waqtuha walakin waqtuha wa antum tamshun. Il faut venir à la salat en marchant. Wa alaykum as-sakin. Et il faut venir à une allure modérée. Donc, la façon de vous marcher tous les jours, à une allure modérée, il faut venir à la salat. Et ensuite, fama adraktum fasallu. Le nombre de rakats que vous avez gagné avec l'imam, il faut les offrir. Wama fa'atakum fa'atim. Et le nombre de rakats que vous avez manqué, il faut les remplacer après le salam de l'imam. Donc, c'est une instruction très claire du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les bénédictions, comme on a mentionné auparavant aussi, sont attachées avec l'obéissance du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même si on est en retard, on ne doit pas courir et entrer dans la mosquée. C'est assez logique aussi, parce que s'il y a des gens qui courent pour se joindre au saf, automatiquement, cela va causer du bruit dans la mosquée et cela va déranger les fidèles qui sont déjà engagés dans la prière. Donc, ce n'est pas conseillé de courir pour se joindre au ruku, mais il faut venir normalement en marchant. Et ensuite, le nombre de rakat que vous avez manqué, il faut les remplacer après le salam de l'imam. Jazakallah. Nous savons, dans le premier épisode, vous avez parlé des heures interdites pour observer la salat. Nous savons qu'il n'est pas permis de lire les prières entre Asr et Maghrib, et pourtant certaines personnes font des prières nawafil après l'azan de Salatul Maghrib. Est-ce que c'est permissible? Entre la salat de Asr jusqu'au coucher du soleil, il n'y a pas de salat nawafil. Il n'y a pas de prière nawafil. Et pendant le coucher du soleil, il n'y a pas de salat qu'on peut offrir. Que ce soit la salat faraz, ou nafil, ou sunna, il n'y a pas de salat à ce moment. Mais après le coucher du soleil, c'est là où le muazzin va appeler l'appel pour la prière. Il va faire le azan. Et entre l'azan pour maghrib, jusqu'au moment où l'imam va se mettre debout pour diriger la prière de maghrib, c'est-à-dire les trois rakat faraz, entre ces deux-là, pendant ce moment, on peut offrir des prières volontaires, des prières nawafil. Par exemple, si le soleil se couche à 6 heures, donc entre ce moment jusqu'au moment où l'imam va se mettre debout pour la salat de faraz, il y a toujours quelques minutes. Donc, à ce moment, on peut offrir des nawafil. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi exhorté aux croyants, il faut faire un minimum de 2 rakat normalement en entrant dans la mosquée. Et dans Sahih Bukhari, il est aussi mentionné sallu qabla salatil maghribi rak'atayn, c'est-à-dire il faut offrir 2 rakat de nawafil, 2 rakat avant la salat de maghrib. Donc dans ce moment, on peut offrir des prières volontaires, mais pas avant le coucher du soleil et pendant le coucher du soleil. Jazakallah, nous savons. Donc, après l'azan de Maghrib, c'est permissible et même recommandé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des prières nawafil. Une autre question, Shamim Saheb, comment quand on se met debout pour la prière, comment devons-nous croiser les bras? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon dans le sunan de Abi Daoud, il y a un hadith où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de croiser les bras pendant la salat, la main droite sur la main gauche à la hauteur de sa poitrine.
Et le Messie premier, alayhi salam, aussi, faisait de la sorte. Mais on voit dans d'autres traditions, dans d'autres hadiths, là où les compagnons, eux, il y a certains parmi eux qui croisaient les bras dans la position de préam, à la hauteur du nombril. Et il y a d'autres même en dessous. Donc, quand on voit les différentes traditions et on voit qu'il y avait des compagnons qui se croisaient les bras un peu à la hauteur du poitrine, il y a d'autres qui le faisaient un peu au bas. Et le Hazrat Masih Maud al-Islam, même si quelqu'un, alors que lui qui croisait ses bras à la hauteur de sa poitrine, même si quelqu'un ne faisait pas strictement la même chose, il n'a jamais réprimandé quelqu'un ou interdit à quelqu'un que la façon qu'il est en train d'observer la salat n'est pas appropriée. Donc, Hazrat Masih Maud al-Islam n'a jamais mis l'accent sur la forme exacte là où on doit se croiser les bras pendant la salat. La chose la plus importante est la concentration pendant la salat et aussi le respect. C'est une forme de respect de se croiser les bras. Donc, c'est ça qu'on doit avoir en tête, car dans les hadiths, on a différentes traditions dessus. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de le faire à la hauteur de la poitrine. Et on trouve d'autres traditions où les compagnons faisaient un peu au bas ou un peu en haut. Donc, ce n'est pas quelque chose où il y a une instruction spécifique à ce sujet. Jazakallah. La prochaine question concerne une prière très importante qui concerne la salatul istikhara. Si une personne veut lire la prière istikhara, mais ne connaît pas les mots de cette invocation, peut-elle faire cette prière quand même? Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, selon la pratique du saint prophète, sallallahu alayhi wasallam, nous a plusieurs fois dit que avant d'entreprendre une décision qui est importante dans notre vie, c'est très important de faire la prière de istikhara. Et que veut dire istikhara? La signification est talabul khair, demander quelque chose de bien à Allah Ta'ala. C'est-à-dire avant de prendre une décision, avant d'entreprendre quelque chose qui est important. Donc, on va demander à Allah Ta'ala de faire de sorte que cette décision va être bon pour nous, pour les gens autour de nous, et le résultat aussi va être bon. C'était la pratique aussi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'offrir deux rakat de nawafil, et à la fin de ces deux rakat, il récitait le doa istikhara. La prière de istikhara et comme mentionné dans les hadiths, c'était ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter. Mais si quelqu'un ne connaît pas le doigt et n'a pas mémorisé cette prière, il peut toujours demander du bien à Allah Ta'ala dans ses propres mots. Par exemple, il sait qu'il va entreprendre un voyage, il peut toujours faire les deux rakat et demander à Allah Ta'ala de faire de sorte que cet voyage va être bon pour lui et le résultat aussi va être bon. Mais en tant que croyant, celui qui suit les pas, la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours mieux que par amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre et de pratiquer cette prière selon la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire d'offrir les deux rakat de nawafil et à la fin de réciter cette même prière que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander. Mais toujours, comme le Messie promis alayhi salatu wassalam nous dit, on peut toujours aussi demander cette prière dans nos propres mots. Jazakallah nous sahib. Donc, comme vous l'avez mentionné, c'est une prière très importante. Et nous devons faire de notre maximum pour apprendre l'invocation de Jusalatu Stikhala. C'était la dernière question de notre émission. Je vous en remercie, Nour Saheb et Shamim Saheb, de Zakallah. Nous avons pu traiter plusieurs questions, alhamdulillah, concernant comment croiser les bras, concernant l'empressement pour aller vers la prière et les prières sunnah, etc. De Zakallah. Chers spectateurs, nous voici arrivés à la fin de cet épisode.
Je vous en remercie et on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode de la jurisprudence islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.